Bienvenue dans Voices for Change, un podcast proposé par EcoCert. Il s'inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans du groupe. Chaque épisode donne la parole à un expert ou acteur du développement durable. Avec eux, nous nous penchons sur un domaine, un engagement particulier qui concerne EcoCert. Notre invité dévoile librement son analyse, apporte ses solutions et nous invite à nous interroger sur nos habitudes. Ils sont de généreux avocats d'action menant à un monde durable et responsable. Nous espérons que leurs voix résonneront en vous. Yoon Jae-shin est directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et chercheuse honoraire associée à l'University of Cape Town. Elle s'intéresse notamment au rôle des relations trophiques et de la biodiversité dans la résilience des écosystèmes marins. Mais pourquoi la biodiversité marine est-elle si importante? Quels en sont les grands enjeux aujourd'hui et comment inciter au changement des comportements? Plonger avec elle au cœur du monde marin et de son engagement mêlant art et science. Bonjour Yoon Jae-shin, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours en trois étapes clés? Alors, mon parcours, mais déjà où j'en suis aujourd'hui, je suis directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement dans l'unité de recherche Marbec, dont les travaux portent sur tout ce qui a trait à la biodiversité marine. Et je suis basée à l'Université de Montpellier. Qu'est-ce qui m'a amenée là? Donc, j'ai eu un parcours de formation académique classique, donc qui m'a fait passer par une thèse, par un TEA et une thèse. Mais ce que peut-être je peux vous dire, c'est que ce choix de métier, la façon de le faire et ma motivation, clairement, je ne peux pas détacher ça de mon histoire et de mes racines familiales. Il y a eu des événements déclencheurs et je pense que dans la vie de chacun, il y a des événements de ce type-là. Moi, c'était vraiment quand j'étais jeune, à 18 ans, j'ai eu la chance de faire un voyage en Indonésie, le hotspot de la biodiversité. Et j'ai eu un choc émotionnel, c'est-à-dire que lorsque j'ai pris mon masque et mes PAM tuba et que j'ai été dans l'eau, je ne m'attendais pas à ça, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce que ma peau me pique lorsque je mets les jambes dans l'eau, c'est-à-dire qu'il y avait plein de petites bêtes qui s'entrechoquaient sur mes jambes. Il y a eu ensuite, lorsque j'ai mis la tête dans l'eau, avant de voir quoi que ce soit, c'était un concert assourdissant de cliquetis, de broutages, de mille organismes différents. Et ensuite, bien sûr, l'explosion de couleurs et de formes, des poissons de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et lorsque je suis sortie de l'eau, j'avais des poissons qui étaient coincés dans mon maillot de bain. Malheureusement, ça, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je pense que les choses ont beaucoup changé depuis. Et ça, c'est vraiment ce choc émotionnel qui m'a dirigée vers le métier de recherche marine. Ensuite, dans ce que je fais, j'étudie les interactions trophiques qui mangent qui dans les écosystèmes. Et j'avoue que là, je suis assez gourmande. Et puis aussi de mes origines, on mange de tout dans la mer. Je viens de Corée. On mange des poissons sous toutes ses formes, séchés, fumés, marinés, fermentés. Tous les stades, des œufs de poisson jusqu'aux adultes. Toutes les espèces. Moi, très tôt, j'ai mangé du concombre de mer, des méduses, du fougou, plein d'algues différentes. Toutes les parties des poissons, les yeux de poissons aussi. Ça dégoûtait mes amis, mais voilà. Donc, je pense que tout ça, en fait, je pense que tout un chacun, si on y réfléchit, ce dont on est imprégné dans notre vie se reflète dans notre façon de faire notre métier. Et ensuite, là récemment, donc j'ai travaillé pour l'IPBES, et là clairement, c'était donner un sens à mes recherches et comment je peux essayer de les rendre plus utiles pour la société. Et alors justement, c'est quoi l'IPBES et vous avez participé à ce dernier rapport, qu'est-ce qu'il comportait? L'IPBES déjà, c'est, bon maintenant on en entend de plus en plus parler, donc c'est la plateforme intergouvernementale entre sciences et politique pour étudier la biodiversité et les services écosystémiques et pour lutter contre la perte de biodiversité. Donc c'est une plateforme qui, à l'instar du GIEC pour le climat, mobilise un très grand nombre d'experts mondiaux sur la question de la biodiversité. Alors ce rapport d'évaluation globale qui a été publié en 2019 a par exemple fait intervenir presque 500 experts mondiaux de la biodiversité. Alors le mandat de ce groupement de chercheurs à l'IPBES, c'est d'établir des synthèses et des expertises de grande envergure et de haut niveau scientifique, utilisant de manière exhaustive les travaux scientifiques les plus récents au niveau mondial sur des questions de biodiversité et qui auraient été ces questions-là priorisées par les gouvernements en interaction avec le bureau et un panel d'experts indépendants qui fait partie de la gouvernance de l'IPBES. Donc en fait, ces rapports IPBES, ils servent directement de support scientifique à l'établissement d'un agenda international sur la biodiversité avec la définition d'objectifs à atteindre pour lutter contre la perte de biodiversité. Et c'est pourquoi le rapport global a été extrêmement important pour l'établissement du plan stratégique, le cadre mondial de la biodiversité
après 2020, qui est en cours de négociation par la Convention sur la diversité biologique. Dans quelle mesure peut-on dire que ce qui se passe dans les océans a un impact sur les sociétés humaines ? Alors, l'océan a un impact sur les sociétés humaines de manière globale et à plusieurs niveaux. Hein. Déjà, je pense que je vous apprends pas forcément grand-chose hein, en disant que l'océan joue un rôle central dans la régulation du climat, ne serait-ce que parce qu'il séquestre le quart des émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre, hein, de CO2. Il y a des écosystèmes particuliers, hein, des habitats végétaux le long de la côte qui protègent le littoral des tempêtes et des événements extrêmes. D'autre part, l'océan joue pour la sécurité alimentaire puisqu'il fournit chaque année 110 millions de tonnes de poissons et de produits de la mer qui sont produits par la pêche et l'aquaculture. Et de plus, quand on sait factuellement qu'un tiers de la population humaine, hein, 2,6 milliards de personnes, vit à moins de 100 km des côtes. On voit bien l'attrait pour le marin, on voit bien que c'est un vivier de ressources, mais aussi un vivier d'emplois. Alors cependant, le dernier rapport du GIEC montre, hein, enfin les rapports du GIEC montrent que ces populations qui vivent le long du littoral vont être menacées par la montée du niveau de la mer. Donc c'est quelque chose qui contient vraiment un risque pour ces populations, ce tiers de la population mondiale qui vit le long de la mer. Mais aussi, ça pose la question, hein, quand on voit tous cette densité de population le long des côtes, ça pose vraiment la question de l'impact des activités anthropogéniques sur le littoral. Et elles ne sont pas à minimiser. Ce qu'on voit, nous, c'est, on en parle beaucoup dans les médias, c'est la pollution plastique, évidemment, hein, qui a été multipliée par 10 en 40 ans. Ce qu'on voit, c'est que ça touche les tortues, les mammifères marins, les oiseaux, mais ça nous touche aussi, hein, puisqu'on en mange des microplastiques lorsqu'on mange du poisson qui a été pêché dans la mer. Et le temps que je vous ai dit tout ça, il y a une tonne de plastique qui a été déversée en mer. Voilà. Donc, il y a aussi l'utilisation excessive d'engrais sur les terres, qui va se déverser directement dans la mer, qui crée des situations d'eutrophisation et qui crée des zones mortes anoxiques. Bien sûr, vous avez entendu parler de la surpêche, avec encore aujourd'hui un tiers des stocks de poissons qui sont surexploités. Voilà, c'est des exemples parmi d'autres de ces impacts des humains sur la biodiversité et sur l'océan. Alors, vous en avez parlé rapidement, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu davantage ce que sont les services écosystémiques de la biodiversité marine et nous présenter les grands groupes de ces services et puis leur évolution au cours du temps ? Alors oui, vous avez raison de dire qu'il y a des grands groupes de services écosystémiques, puisque l'océan fournit à la fois des services écosystémiques, on dit matériels, en fournissant, ben, j'en ai parlé, hein, des poissons, des protéines, en assurant la sécurité alimentaire. L'océan fournit aussi un certain nombre de services de régulation, puisqu'il agit sur la régulation du climat. Il agit également sur l'ensemble du fonctionnement de la planète. Il agit sur la biodiversité marine. Bon, on pourra rentrer dans certains exemples plus tard. Sinon, il y a des exemples aussi. Le troisième groupe de services, c'est les services écosystémiques dits non matériels, qui sont plutôt d'ordre culturel, puisque la biodiversité, ce n'est pas que fournir de l'air qu'on respire ou les protéines qu'on mange, mais c'est aussi l'ancrage de nos cultures et c'est notre identité également, c'est source d'inspiration, de bien-être et véritablement de cohésion sociale. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de fonctions de régulation de la biodiversité marine ? Je peux vous prendre des exemples que le grand public connaît bien, hein. Je vais vous parler par exemple du corail. Alors on voit que le corail, malheureusement, est fortement affecté par le changement climatique. On voit tous ces étendues de corail blanc, en fait de corail mort. Et or, le corail abrite une diversité, une biodiversité qui est unique, parce que c'est non seulement le corail, le massif corallien en lui-même qui est la biodiversité, mais aussi ça sert d'abri et de nourriture à des milliers d'autres espèces, de poissons et d'invertébrés. Mais c'est aussi, on le connaît bien, la fonction de nurserie, de nourricerie. C'est-à-dire que ça va héberger dans la structure en trois dimensions de ces exosquelettes en calcaire, ça va fournir un abri à tous les œufs et larves de multiples poissons et invertébrés. Donc ça, c'est un exemple de service de régulation de la biodiversité. Alors, vous nous avez parlé des coraux. Est-ce que vous pourriez nous parler de la même façon du plancton ? Alors, c'est intéressant parce que le plancton, justement, je pense que pour le public en général, c'est pas du tout la même perception puisque le plancton, il est invisible. En tout cas, enfin, il est très peu visible à l'œil nu. En tout cas, le phytoplancton, qui constitue la production primaire majeure de l'océan. Donc le plancton, ce sont ces cellules qui peuvent, à l'aide de la chlorophylle, fabriquer de la matière organique. C'est à la base de toute la chaîne alimentaire océanique. C'est autant de production primaire et d'oxygène produit par le phytoplancton que toute la végétation terrestre.
Donc, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur de ce que ça représente. Alors, le changement climatique va modifier cette production primaire. Dans certaines régions océaniques, elle va diminuer très fortement la production primaire qui est due à ce phytoplancton. Et ça va aussi modifier la composition en espèces de cette communauté de phytoplancton. Et ça, comme c'est la base de tout le réseau trophique, ça va modifier non seulement la biomasse d'invertébrés et de poissons, mais ça va aussi modifier la composition en espèces. C'est-à-dire que là, il y a des travaux scientifiques qui montrent que lorsque le changement climatique va modifier l'équilibre entre les espèces de phytoplancton, ça peut se répercuter, par exemple, il y a des travaux qui montrent que ça explique en partie pourquoi dans certaines régions, il y a une prolifération de méduses au détriment des poissons. Voilà, donc c'est vraiment ce phytoplancton et ce zooplancton invisible à l'œil nu, ils jouent un rôle tellement important dans l'océan. On parle beaucoup du changement climatique, les effets délétères sur des espèces emblématiques telles que l'ours polaire, mais on parle très peu des effets du changement climatique sur ces micro-organismes. Oui, c'est vrai. Dans le rapport de l'IPBES, les chercheurs ont élaboré plusieurs scénarios, ce que je trouve d'ailleurs fascinant d'élaborer comme ça les scénarios sur l'avenir possible. Est-ce que vous pouvez nous présenter, on va essayer d'être positif, le scénario le plus favorable qui s'intitule « Développement durable » et les conditions pour qu'il puisse advenir ? Oui, alors ces scénarios, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des narrations, ce sont des scénarios archétypaux. D'accord, c'est un peu une vision du monde que l'on souhaite pour le futur et on regarde en fait les conditions de fonctionnement de ce monde et les facteurs, les leviers en fait qui vont façonner ce monde. Alors ce scénario de développement durable, c'est un scénario où on tient compte des limites environnementales. Donc la nature, elle est au cœur des sociétés, ce n'est plus une externalité et le présupposé c'est que l'économie ne peut prospérer uniquement que si la nature elle-même prospère. D'accord? Donc, c'est un monde où on reconnaît que la technologie, certes, est importante, mais elle a ses limites, car les ressources sont limitées. Donc, du coup, il y a tout un tas de conditions qui vont avec ce présupposé. C'est que, d'une part, la consommation des sociétés humaines doit être plus sobre, demandant moins de matériaux, de ressources vivantes et d'énergie. Ça veut dire aussi que la gestion des communs, tels que l'océan, doit s'améliorer, que l'investissement dans l'éducation et la santé va permettre de faire baisser les taux de natalité et de mortalité, parce que les taux de natalité, la croissance démographique est un facteur important d'impact sur la nature et le changement climatique. Et ce scénario implique aussi qu'on change de valeur, c'est-à-dire qu'on passe du dogme de la croissance économique à celui du bien-être. Il présuppose aussi que les nations respectent les objectifs de développement durable tels que définis par les Nations Unies, ce qui permettrait de réduire les inégalités entre et à l'intérieur des pays. Donc vous voyez, c'est vraiment un cadre de travail, ce scénario-là, c'est un archétype de scénario qui ensuite, l'enjeu vraiment, c'est de pouvoir décliner ces scénarios dans chaque localité, régionalement, donc à l'échelle des pays, à l'échelle des territoires, mais aussi à l'échelle des secteurs d'activité. Donc voilà, pour que ces scénarios soient réalistes, tangible et concret pour l'ensemble des acteurs. Dans un deuxième temps, il y a un véritable travail de co-construction et d'appropriation des enjeux pour définir ce que cela veut dire et par quel type de mesures cela se traduit. Voilà. Et donc ensuite, lorsqu'on a fait ce travail de construction de scénarios concrets grâce à des modèles scientifiques, on peut tester des options de gestion, simuler les conséquences de ces options de gestion, les conséquences de certaines solutions qui sont mises en avant et quantifier des niveaux de risque ou des niveaux de réussite de mesures justement pour lutter contre la perte de biodiversité par exemple, mais ça peut être aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Lors de la dernière plénière de l'IPBES à l'UNESCO à Paris, vous avez travaillé avec une chorégraphe, Émilie Larquillot, pour monter un spectacle de danse avec des enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce projet, nous expliquer comment les enfants se sont emparés des grands enjeux liés à la biodiversité? Comment est-ce qu'ils ont compris ça? Et finalement, qu'est-ce que vous avez appris d'eux? Oui, alors ce projet, c'était une aventure incroyable. Hein. Donc c'était vraiment, c'est parti au départ de la volonté en fait d'essayer d'avoir un impact différent que celui de la simple rationalité scientifique, puisque moi-même, hein, si je vois un peu avec le recul, hein, ce qui m'a amené à faire ce métier avec passion, c'est ça relève de l'émotionnel en fait. Hein, c'est ce choc, cette rencontre avec l'océan en Indonésie qui m'a motivé. Et donc c'est aussi l'urgence d'action, puisque les modèles montrent, hein, les modèles et les scénarios dont on vient de parler montrent que c'est aujourd'hui qu'il faut agir dans cette décennie, puisqu'ensuite les trajectoires, il sera beaucoup plus difficile
beaucoup plus coûteux de pouvoir se rétablir sur une trajectoire soutenable si on réagit, si on agit seulement dans 5 à 10 ans. C'est vraiment aujourd'hui qu'il faut commencer et dans cette échelle de 10 ans. Donc il y a urgence d'action vraiment, et ça j'aimerais bien que ce message percole parce que c'est basé vraiment sur des scénarios et des modèles scientifiques. Et donc avec Émilie Lartillot, c'était une belle rencontre, hein, donc Émilie Lartillot qui est chorégraphe et qui travaille exclusivement avec des enfants. Cette rencontre nous a amené nous a donné l'envie de mobiliser chacune notre savoir-faire bien spécialisé pour utiliser le levier émotionnel et artistique pour pouvoir toucher les cœurs et changer ainsi les états d'esprit. Et ça, c'était avant les négociations sur le rapport de la biodiversité de l'IPBES. Donc, c'était un moment stratégique. Donc, c'était une occasion unique. Donc, en fait, c'était mettre les délégués gouvernementaux qui étaient dans la salle de l'UNESCO devant la responsabilité. Et c'est la question de quel sera le legs de notre génération d'adultes. Qu'avons-nous fait? Et on avait aussi envie, donc avec ces enfants qu'on a fait danser, on avait envie de transmettre ce message de responsabilité aussi aux enfants. C'est vraiment cette notion de, c'est pas seulement quelle planète on va laisser pour nos enfants, mais aussi quels enfants on va laisser à notre planète. Et cette génération d'enfants ne devra pas répéter les mêmes erreurs que nous. Alors, ce projet, donc on a procédé par étapes. Donc on voulait vraiment mettre les pleins projecteurs sur la biodiversité, bien sûr, mais aussi sur les enfants, parce que c'était la génération de demain, et on voulait ces enfants-là vraiment donner corps à cette génération, donc ça symbolisait le futur. On a procédé par étapes, donc toujours la danse était précédée d'un petit laïus sur l'état de la biodiversité, les grands enjeux de la biodiversité. Donc on les faisait discuter complètement librement, leurs impressions, leurs compréhensions. Ils posaient des questions, ces enfants, et on faisait le lien aussi, on essayait tant que faire se peut, de faire le lien avec leur quotidien et leurs aspirations. Et ensuite, avec Émilie Lartillot, il y a toujours eu une phase d'improvisation en termes de danse, avant d'établir une chorégraphie. Et pourquoi cette improvisation était importante? Je pense que ça a vraiment joué un rôle d'appropriation des enjeux, de ces enjeux intellectuels qui étaient parfois difficiles à comprendre et parfois difficiles à accepter, hein, par le mouvement, donc appropriation par le mouvement et le corps, c'est physique. Hein. Et donc ça, c'était vraiment intéressant de voir cette appropriation à la fois intellectuelle, mais il fallait une digestion physique par les corps. Et donc c'était vraiment, on a constaté avec l'expérience que c'était un processus incroyable. J'ai beaucoup appris hein, des enfants, j'ai beaucoup appris de ce travail qui était à la frontière entre la science et l'art, et la danse, et surtout, ce que j'ai appris aussi par ce transfert, par ce média différent hein, de transfert des connaissances, c'est que la mise en mouvement, c'est le plus difficile. Ça symbolise ça, la danse, c'est-à-dire qu'il y a toute une phase d'échauffement des corps, hein, et le plus dur, c'est de se mettre en mouvement, c'est de commencer. Et c'était une belle symbolique, je trouve, justement, pour aussi montrer que se mettre sur les bons rails, c'est la phase la plus difficile et la plus longue, mais ensuite, ça roule. Lorsqu'on est sur les bons rails, sur la bonne trajectoire, ça roule. Et c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on choisit comme futur? Et c'est vraiment ce lien avec les scénarios du futur. Il y a un certain nombre de leviers plus ou moins difficiles à actionner qu'il faut faire maintenant. Mais ensuite, lorsqu'on est placé sur la bonne trajectoire, il faut attendre 5-10 ans et tout roule. On est sur la bonne trajectoire. Et si on fait ce changement trop tard, ce ne sera peut-être pas possible. En tout cas, ce sera très coûteux et peut-être que la société ne sera pas prête à assumer ce coût. Et il faut absolument s'appuyer dessus. Ce que les enfants m'ont appris, ils m'ont appris énormément de choses en travaillant avec eux, c'est qu'il existe une belle alliance, celle à la fois de la beauté, de l'intelligence, de la générosité, ça c'était extrêmement important, l'émotion, le courage dont ont fait preuve ces enfants et leur détermination. Et que cette alliance-là était extrêmement puissante. Voilà, donc ça, c'était cette alchimie rare que les enfants ont su créer et cette fraternité qu'il y a eu dans ce groupe d'enfants. Mais vraiment, je l'ai rarement ressenti dans ma vie. Hein. D'accord. Bah, j'allais vous demander, finalement, pour conclure, un éclairage, une pensée ou peut-être, selon vous, une priorité pour encourager tous ceux qui nous écoutent à engager ou poursuivre une action en faveur de la transition vers un monde plus durable. Je pense qu'on peut effectivement s'inspirer de cette générosité, de cette profondeur et de cette impulsion que vous avez décrite, mais vous avez peut-être quelque chose d'autre à ajouter? Oui, je voulais dire que la détermination, le courage des jeunes est extrêmement important. J'ai au cours de mes échanges avec des étudiants ou de conférences, j'ai souvent eu la remarque
D'accord, ce rapport, ces rapports de l'IBES et du GIEC sont extrêmement importants et c'est, ils sont utiles aussi pour la communauté scientifique, mais est-ce que ça sert à quelque chose puisque le GIEC, ça fait depuis 1998 qu'il y a des rapports qui sont publiés. Mais qu'est-ce qui a changé? Non, je dis 98, c'est 88, je crois, que le GIEC a été créé. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Eh bien, moi, ce que je leur dis à ces jeunes, c'est qu'il ne faut jamais abandonner parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle serait bien pire s'il n'y avait pas toute cette science et tous ces rapports d'expertise. Parce qu'il y a des contre-pouvoirs en face qui vont dire le contraire et qui vont se baser sur des croyances et sur des manipulations. Donc la science aujourd'hui, fort heureusement, a encore un rôle dans la cité, dans la société, et il ne faut pas perdre le cap, et il faut continuer, ne pas se décourager et avoir cette détermination. Donc ça, c'est vraiment un message que je veux transmettre aux jeunes qui se lancent dans la recherche, mais aux jeunes en général, et à toute profession, dans tous les niveaux et dans tous les secteurs, cette connaissance et ce transfert de connaissances objective, il faut la préserver absolument dans nos sociétés. Ensuite, ce que j'aimerais bien dire, parce que c'est une deuxième réaction, mais oui, mais nous, on essaie d'agir à notre échelle, mais on n'est qu'une partie, particule infime parmi des forces qui nous dépassent. Ça sert à rien d'agir au niveau individuel, ça sert à rien. Bien là encore, il faut nuancer les choses, puisque la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec le changement climatique, le bouleversement climatique qu'on connaît et la perte de biodiversité, ce sont bien des individus que l'on crée. On a été capable, après la révolution industrielle, de créer justement ce déséquilibre. Et ce sont bien la somme des individus qui a créé ce déséquilibre. Donc ce que je veux dire, c'est que le renversement de cette situation est aussi possible à l'échelle individuelle. Elle doit être coordonnée. Vous voyez, elle doit être coordonnée, c'est ça en fait. Là, je prends souvent cette image parce que moi, elle me marque quand on dit, par exemple, quand vous êtes allé à voir des concerts de musique classique, hein, et souvent on se demande, mais à quoi ça sert en fait un chef d'orchestre hein, chaque instrument, chaque premier violon ou violoncelliste ou flûtiste, ce sont des génies, ce sont des solistes. Ils pourraient très bien jouer tout seuls. Et en fait, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait une mise en mouvement coordonnée. C'est comme les chorégraphies de danse. Une personne qui danse tout seul, mais un groupe de personnes qui dansent en coordination, il y a une synergie incroyable. Et donc c'est ça, c'est chaque action individuelle. Il faut croire, c'est pas qu'il faut croire, c'est que chaque action individuelle a un sens, a un impact. Le tout, c'est de le coordonner et d'aller dans le même sens. Et c'est là qu'on peut être puissant. La crise du Covid nous a amené ça de bon, si on peut tirer une leçon, au moins une leçon positive, c'est qu'on est capable d'agir rapidement et avec force face à une crise. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on ne réagisse pas trop tard face à une crise, une véritable crise de la biodiversité et du climat. Il faudrait agir avec la même force et avec la même rigueur avant que la catastrophe arrive. Voilà. Finalement, si je vous écoute, j'ai l'impression que vous définissez parfaitement l'art d'être scientifique. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. EcoCert remercie vivement Yun Jae-shin d'avoir participé à la célébration de son 30e anniversaire. Dans les prochains épisodes, nous parlerons biodiversité terrestre et marine. Nous tenterons de clarifier l'ensemble des enjeux de la protection du vivant. Nous établirons le lien, a priori pas si évident, entre agriculture biologique et empowerment des femmes. Nous essaierons de comprendre en quoi les ODD de l'ONU peuvent inspirer les stratégies RSE des entreprises, mais aussi en quoi les normes nourrissent et guident le développement durable. Nous irons au cœur de l'Europe, puis d'Inde en Afrique. Bref, 10 épisodes pour déterminer la meilleure façon de relever les défis des changements climatiques en compagnie d'illustres experts. À très vite pour un nouvel épisode.